Ce qui est arrivé hier n'a aucun sens. Trop d'événements inhabituels hors de notre contrôle à tous. Je pensais que simplement valider que les montants par sac étaient justes serait un travail tranquille, mais maintenant je réalise que je suis autant en danger que les autres. Il est où l'autre? C'est en partie de sa faute si on est dans ce merdier. Je pensais que mon message était assez clair pour leur quotient intellectuel. C'est pour ça que je n'aime pas les travaux d'équipe. Toujours un boulet qui nous ralentit. Ok. Je vois ce que tu veux dire, mais comment quelqu'un aurait pu faire ça? Et dans quel but? Je pense qu'il y a une taupe dans l'organisation du caïd. Et j'ai déjà écarté la possibilité que ce soit l'un de vous. Car, comme je l'ai dit, je suis le seul qui connaissait le montant de chaque sac. Vous pouvez aussi vous douter de moi. Mais encore une fois, le chauffeur, tu es le seul qui connaît le trajet à parcourir. Et toi, le livreur, tu es le seul qui connaît le client. Faites-en ce que vous voulez. J'avoue, ça a du sens. Mais l'objectif, je suis pas convaincu. Le montant, c'est le plus gros, ok? 3 000 $, mais se mettre le caïd à dos pour ça? En effet. C'est ce qui me pose problème aussi. À moins que... Ce qu'il cherchait, c'était pas les 3 000 $, mais ce qu'il y avait dans le sac. As-tu déjà ouvert un sac? Non, t'es fou, mec. Jamais. Ça m'a traversé l'esprit une fois, mais... Vas-y, j'ai lâché l'affaire, hein. Je préfère rester en vie, tu comprends? Comment les clients font-ils pour savoir ce qu'ils ont livré vraiment dans le sac? La réputation du caïd le précède, hein, je pense. Il dit que je viens de la part du caïd, je donne le code et c'est réglé, et puis mon affaire, elle est calée. Un code? Intéressant. J'avoue que le caïd fait bien les choses, parce qu'à part vous deux et ses gardes du corps, je connais personne d'autre dans son organisme. On n'a pas forcément trouvé ce qui la taupe. Et si nous voulons nous en sortir vivants et ne pas nous faire ruiner, nous n'avons pas d'autre choix. Je veux pas faire mon rabat-joie, mais... Moi, il me reste juste 2 livraisons. Hein. Après ça, c'est fini. Je veux pas me faire tuer. Après ce qui s'est passé hier soir, on n'a pas le choix. On doit trouver une solution. Le caïd se doute de quelque chose, c'est sûr. Et c'est, je pense, c'est la première fois qu'il nous parle directement depuis notre première livraison. Exactement. Si on s'en va maintenant, ça va mal paraître. Et je doute que le caïd soit assez clément pour poser des questions avant de frapper. Ok les mecs, on reprendra cette conversation. On se tiendra au courant. Hé, hey, tu fais quoi ici? Bah écoute, je m'entraînais. Hein. Ah ouais? Bah tu sais même pas. Bah ça c'est parce que je suis en forme. Je suis un peu mort. Mais sinon toi, tu fais quoi ici? On n'était pas censé se voir ce soir pour étudier? Ouais, bah en fait je reviens de chez Evan et puis vu qu'il fait beau, j'ai voulu passer par le parc pour rentrer chez moi. Ah ouais, vu qu'il fait beau, je pensais que t'étais insensible à la température. Oh arrête. Vas-y viens, je te raccompagne chez toi. Quand même intéressant. Il y a une taupe dans l'organisme du caïd et tout ce qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est de voler un sac de 3 000 $. C'est tout ce dont il est capable. À moins qu'il compte le faire plusieurs fois. 3 000 $ par semaine équivaudrait à 156 000 $ par an. Ce qui est bien, vu qu'il ne va pas les déclarer. Par contre, il y a beaucoup plus d'argent dans l'underground. Plus on entre dans le réseau, plus il y a de l'argent et plus les gens qui la gèrent et génèrent sont importants. Le caïd doit les choisir selon la confiance qu'il les accorde. Ça doit être quelqu'un de bas niveau alors, qui s'est attaqué à nos livraisons. Vu que son montant serait minime pour se haut placé. Ça va être encore plus facile pour moi de l'attraper. Et ainsi mieux paraître aux yeux du caïd. Je me demande vraiment ce que la taupe a à y gagner. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Même à notre niveau. Je ne sais pas si c'est le cas. Thank you.
sac. Je pense qu'il y en aura plus que d'habitude. Les clients dans les gradins, ils se sentaient redevables dans ce risque. Tu ne passes pas par quatre chemins. Mais il est vraiment con celui-là. C'est vraiment la façon la plus subtile qu'il pouvait trouver pour donner rendez-vous. Une chance que ce n'est pas une lumière, lui. Rien compter semble être un fardeau. Quelle audace d'arriver en retard à son propre meeting. Ça a intérêt à être important. Bon, enfin. En plus, il courait. Merci d'être venu. Je pensais pas que le message il allait être aussi clair. Je suis surtout surpris que les gardes ne soient pas là. On dirait que c'est les seuls qui n'ont pas compris le message. J'espère que c'est important. La lettre. Je suis retourné sur les lieux et... Une trace de l'événement. No shit. Le corps, j'ai dit aucune, j'ai aucune. Le corps, évidemment, mais le sang sur les murs, les bouteilles par terre, l'odeur de l'alcool sur le sol, les douilles de balles du tireur, absolument rien. Il a un souci du détail. Attends, mais avec ce que tu viens de me dire, ça veut dire qu'ils ont tout nettoyé? Exactement. À la télé, aucune mention. Mais ce que je comprends pas... C'est ok, il y a le vol de 3 000 $, mais le nettoyage a coûté plus cher. Je pense qu'on a affaire à des vrais professionnels. Et merde.